compléter votre réponse avec des exemples précis. Utilisez vos connaissances. L'introduction est un fouillis. D'après les parties que j'annonce, je stagne au long de mon récit. À relever les assonances, et le point de vue que je propose serait-il tous trop évident? J'en ai filé des métaphores au bout de chaque alinéa. Les éléments dont je dispose m'entraînent-ils vers l'incident? Et qu'en est-il des anaphores, tant soit peu qu'il n'y en ait pas? Qu'il n'y en ait pas? Je ne sais pas. Qu'il n'y en ait pas? Je ne sais pas. Les thèmes annoncés, mais rien ne concorde et je dois dire que ça m'agace. Autour de moi, je suis des derniers à coucher des idées, je me trouve dans une impasse. Je relève la tête, mes feuilles froissées, je pose un regard circulaire dans la salle. Tous mes camarades semblent être inspirés. Je revois mon écrit et me sens encore plus mal. La dissertation pour le commentaire, ai-je vraiment fait le bon choix? Je corrige mes maladresses pour un peu que je les vois. Sur la voisine, je repère des arguments de premier choix. Si elle bougeait un peu son air, je copierais bien plus que ça. Oui, bien plus que ça. Conclusion en est réalisée. Toutefois, ce qui m'interpelle, ai-je bien saisi la pensée de l'auteur? Parmi moi, si ça n'est pas la référence de mon choix, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Si ça ne va pas, je prends sur moi. Les 4 heures sont passées, on doit rendre les copies, et je n'ai pas le temps de relire tout ce que j'ai écrit.